Bah, tiens, Johan, match remporté de 7 à 0, 6-2, 7-5. Qu'est-ce que vous retenez d'un match comme ça? Ben, on démarre bien comme à chaque fois depuis pas mal de temps. Deuxième set, les conditions sont dures parce que le terrain il a pas mal de faux rebonds. Les vitres glissent un petit peu. Deuxième set, moi je me relâche un peu, on fait quelques fautes et voilà, il fallait juste rester dans la tactique. On change un peu de tactique à un moment donné qui sert à rien. Voilà, à la fin du match, on se remet dans la tactique, on gagne 5-5. Donc, voilà, on est au championnat de France, il peut y avoir des matchs laborieux comme aujourd'hui et on a gagné. Il en reste deux pour être champion. Voilà. Qu'est-ce qui a fait la différence justement sur un match comme ça? Peut-être, comme à Divas, peut-être un peu d'expérience. C'est vrai que nous, ça fait longtemps qu'on joue ensemble. On a gagné déjà deux championnats de France. On sait qu'il y a un peu de tension aussi pour tout le monde. Et peut-être que dans la gestion des moments un peu difficiles, on est sûrement meilleur peut-être qu'aujourd'hui. Et on l'a vu, il remonte de 5-1 à 5-5. Beaucoup de gens se seraient frustrés ou énervés et à 5-5 on a réussi à, comme à Dibas, à reprendre la tactique, remettre des jambes, se reconcentrer sur nous-mêmes et du coup on gagne les deux jeux plutôt facilement en plus. Ouais. C'est quoi votre objectif aujourd'hui? Il reste encore pas mal de matchs, il reste une demi-finale à jouer aussi, peut-être une finale? Bah, l'objectif il est simple, il est clair, hein. On a 4-7 à gagner, encore. Hein. Ouais, on a encore 4-7 à gagner, donc on en a gagné 4, il en reste 4, voilà, moitié du chemin. Ce sera pas les plus faciles, mais il en reste 4. Comment vous abordez ces futurs matchs? Bah, bien, comme a dit Joe, on a l'expérience, on sait ce qu'on a à faire pour gagner, on sait que les matchs dépendent de nous, parce que si on joue bien, je pense qu'on peut être meilleur et aller chercher un troisième titre, donc ça va dépendre de nous, bien s'échauffer, bien entraîner les matchs et rester concentré pour pas changer au second set de tactique ou quoi, pour aller gagner les matchs. Voilà. Aller chercher un troisième titre, on sait qu'il y a aussi la paire Maigret-Tison qui le veut ce titre. Comment vous abordez aussi cette opposition? On l'aborde plutôt bien. Cette année on perd un seul match quand même sur toute l'année en France. On peut pas être plus en confiance que nous, oui. Hein, c'est un seul match perdu sur un an. On a deux titres de champion de France, voilà, on est serein. Après on sait que ça va être difficile contre eux, on les connaît bien. Je ne sais pas contre qui ils vont jouer la demi, on n'a pas vu le résultat, mais ils vont avoir un match difficile en demi, on va avoir un match difficile en demi, ça va se jouer dans la bataille hein, de toute manière. Merci.